Hey yo, bonsoir tout le monde. Alors, bon, bah vu qu'on a fait Dark Souls 2, on va faire le 1. Pourquoi pas faire le 1? Du coup, faut que je switch. Non, il n'y a pas de message d'erreur. S'il m'arrive un truc chelou tout à l'heure, j'ai des messages d'erreur à cause de mes pop-up de follow, etc. Faudra peut-être que je reparamètre tout ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est Dark Souls 1. Je pense qu'on va s'amuser. Donc évidemment, la seule classe niveau 1 du jeu, c'est le pyromancien. C'est-à-dire que le clerc commence niveau 2. Le mendiant commence niveau 6. Et je crois que la classe qui commence le plus haut, c'est quoi? C'est peut-être chevalier? Non, chevalier est 5, donc c'est le mendiant. Donc on est obligé de commencer pyromancien. On va commencer avec le passe-partout. J'ai la flemme de faire un vrai perso, mais on va faire un perso à couette comme d'habitude. Allez, Zekai, heureux et bah de rien. Ouais, ça va, mon week-end était cool. Hein. T'as pas le framerate du 1, c'est pas celui du 2. Hein. Ça va râler dans les chaumières. Bon, du coup, je connais pas trop les objets à prendre en SL1 dans Dark Souls 1er. J'ai une petite idée, on va dire, des objets que je vais pouvoir utiliser. Donc à part l'upgrade de la flamme de Pyro, je vais sûrement jouer avec la hache qu'on achète à André. Et j'ai cru voir que le marteau que dropait le forgeron d'Anor Londo était vraiment très très fort aussi. Ça pourrait être on va dire un début. Alors j'ai pas joué à Dark Souls 1 depuis un moment, donc j'ai dû bien m'habituer aux roulettes du 2. Donc ça risque d'être un peu folklore. Aussi, je pense que vous allez vous marrer. Je pense que ça va être la rigolade la plus totale. Voilà, j'ai pas trop réfléchi à grand chose. Metroid. Et en effet, je n'ai pas redécalé mon micro et heureusement que vous êtes là. Vous êtes mes zinzessons. Pop décalage audio. Ah bah non, il est bien à zéro puisque je suis sur ma session Twitch. Et j'aimerais bien tâter Bloodborne, mais je n'ai pas de PlayStation 4, ZSK. Un jeu qui m'intrigue. J'en attends rien du tout. Donc je pense que c'est la meilleure moyen de ne pas être déçu. Mais c'est un jeu auquel j'attends rien. Par contre, je suis très très curieux des choix de gameplay. De level design qui vont être pris par l'équipe. Étant donné que j'ai pas envie de me spoiler le jeu et quitte à le faire dans 4 ans, je le ferai dans 4 ans. J'avais réussi à me préserver pour Demon's Souls et Dark Souls, je pense que j'arriverai à faire la même chose pour Bloodborne. Alors là, c'est un peu lent, mine de rien. Elandrine, et merci pour le Killing Spree, le 7 mois, le Lucky 7, on y est, FF9, le retour. Si un jour j'ai 777 subs, promis, je me remets à FF9. C'est annoncé. Allez, Drafan, salut. Oula. Oula, copain. Un peu raté. Alors, les roulettes de Dark Souls 1, comment ça marche déjà? Schlack schlack le bide. Avec elle, c'est ça.
Si jamais on revient un jour ici, on sait jamais, hein, si jamais j'ai besoin genre du bouclier d'Oscar ou ce genre de conneries, je vais peut-être aller ouvrir le... Je vais peut-être aller ouvrir le... Comment ça s'appelle déjà? La petite porte de l'autre côté là. Il y a une petite porte à ouvrir qui pourrait être utile. On va faire ça. Hop, c'est du swag. Je vais très bien. Fais un petit stream cet après-midi. Où j'ai encore oublié de manger, évidemment. Je me suis dit, tiens, quelle bonne idée de skipper le repas de midi pour faire un stream de 4h et pas bouffer avant 18h. Mais sinon, ça s'est bien passé. FF13, le chapitre 4 est bouclé. Pas maîtrisé, mais bouclé. Il y a des combats de monstres qu'il faudra que je travaille. Mais plutôt intéressant. Faudra que je m'attaque au chapitre 5. Peut-être demain, je verrai. Je ne sais pas. J'avais envie de jouer à Dark Souls ce soir. Le stream sera peut-être pas très très long. Ce sera peut-être un stream de 2-3 heures. Je sais pas. On verra. Jusqu'à ce que j'en ai marre. R8. On va aller chercher la petite âme en bas. Ah, au passage, on va sûrement faire une race sur un Metal Slug. On fera peut-être la race ce week-end. Je sais pas encore sur quel Metal Slug, je sais pas qui y aura. Mais on va sûrement continuer les races, on va essayer de faire ça régulièrement. Hey yo, Pharaon. Vu que nous, ça nous fait marrer, et a priori vous aussi, on s'est dit pourquoi ne pas continuer? Genius. Ah, bah j'en suis ravi. J'en suis ravi, Drafan. J'espère que ça te plaira. Faudra que je... J'ai envie de faire tellement de trucs. J'ai envie de jouer à Persona Arena. Faut que je continue Moemon. Faut que trop de trucs à faire. Le marathon qui arrive, ça va être compliqué aussi. Moult choses à faire. Moult, 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 moult. Faudra vraiment que je boucle tous les projets que j'ai commencés. Que j'arrête d'en commencer des milliards en même temps. Promis, je vais essayer. Bon, du coup, ce qu'on va faire au niveau de la route, on va bon rapidement grappiller les 2-3 objets qu'il y a ici, les humanités, les âmes, etc. On va descendre dans la vallée des Drakes, on va aller chercher le bouclier qui augmente la régène d'endu. On va aller voir André pour acheter la hache qu'on va utiliser. Et on va farmer un peu, mine de rien, puisque la hache est plutôt stylée. On va essayer de la monter en plus 5. Arrêtez Dark Souls 2, commencez la drogue. Ah, il y a un peu de ça. Ouais. Ah, Arena Ultimax, c'est un de mes jeux de l'amour. Mais j'ai personne pour y jouer. Donc, c'est vrai que. C'est pas super, super motivant. Donc si des gens veulent s'y mettre, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me drop a message. Si jamais j'ai le temps, ben je jouerai contre vous avec plaisir. Mais c'est vrai que les serveurs européens sont déserts. J'ai l'impression que le jeu marche juste pas en Europe, alors que les serveurs US et japonais sont quand même bien remplis. Enfin, du moins autant qu'un jeu comme Guilty Gear ou quoi. C'est un peu... Je suis un peu tristouné. Ah, Ken et le Frankenzy. Bah écoute, practice bien, n'hésite pas à faire les modes challenge. Je connais pas trop le perso. Donc je peux pas vraiment te donner de conseils, mais... Moemon, c'est un peu la même chose. Les sprites des Pokémon sont remplacés par des sprites Moe. Et en plus de ça, je rajoute un randomizer par-dessus.
qui randomise les Pokémon des dresseurs et plein d'autres choses, les objets au sol, etc. Ouais, Ferino, bonsoir. Ah ouais, il est stylé, Ken. Il est bien stylé. Moi, je suis un joueur de Kanji. Parce que le mec se bat avec une chaise pliante et c'est le swag absolu. J'ai pas équipé ma flamme de pyromancie. Wakuma, je l'ai jamais vraiment joué. J'ai longtemps cherché un perso, mais le perso au final avec lequel je suis le plus à l'aise, ça reste Kanji. Aussi parce que je suis pas une brute en combo. Donc il faut compenser avec Kanji parce qu'il faut mindgamer à fond. Il est super low tier et c'est plus un jeu à combo. Enfin c'est un jeu où... Bon déjà les grappleurs sont jamais top tier, sauf exception. Et du coup faut vraiment jouer du mindgame et le perso me plaît plus que Kuma. Bon, en soi si je sais faire 2-3 trucs avec Kuma mais c'est pas un main. Ah, la fiole d'estus dure. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Enfin, c'est comme tout, ça s'apprend. Si t'es motivé à apprendre des trucs, finira par rentrer au bout d'un moment. Yo, Bernard Menes. Par contre, c'est vrai que Dark Souls 1, c'est pas fluide. Qu'est-ce que c'est pas fluide? J'adore le jeu. Hein, mais... Quand tu sors du 2, le framerate picote un peu. Alors. Bon déjà on va acheter l'arme qu'on va utiliser, qui est donc celle-là, la Battle Axe. Non je ne suis en pas du tout Dark Souls, j'aime bien les challenges dessus. Je ne suis point du tout un speedrunner. Alors on force et arme, je n'ai pas de titanite. Bon. Ah la Gravelord Sword c'est pas possible en SL en ville. Alors. Hey YouTube. Bah je viens à peine de commencer pour l'instant donc je me prononce pas vraiment. On verra bien. On va aller farmer un petit peu. Je sais pas trop. J'aurais peut-être dû l'installer du coup si ça permet d'avoir un framerate moins crade.
Je sais pas, j'ai pas essayé. Au pire, si vous avez un lien et que c'est pas long à installer, je veux bien installer un truc qui peut rendre le jeu plus fluide. Hein. Il doit pas y avoir un Nightbot. Si quelqu'un a un lien, je prends. Juste pour le framerate, hein, je m'en fous que le jeu soit plus beau, mais. Bah, c'est vrai que c'est un peu la galère quand même. J'ai la mage bêta Steam. Ah, du coup, ça marche pas. Bah, si vous avez un lien, allez-y, balancez-le. Je vais regarder. Merci Atma. Parce que là, putain, c'est chaud le framerate, quoi.
Non. Enfin, normalement, mon micro fonctionne, à moins qu'il se remette à se couper tout seul comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Ça lui arrive assez souvent. Il est farceur, il aime bien se couper. Ah, donne-moi une titanite. Très très bien. Very good, my friend. Ah bah c'est la technologie Clodo 2000. Micro de pauvre since 1875. Ah bon, les gargouilles. Spoiler, on va mourir. Je sais plus rouler. Spoiler, on va mourir. Te calme. Alors... Ah, il est pas content. Patate de forain. J'aime bien être full vie par contre contre ce boss. Ouh, la deuxième est déjà là. La deuxième est déjà là. Et voilà la sous-préfète. Je pensais pas que la deuxième arriverait aussi vite. Sans soi, c'est pas. Ouais, non, c'est pas du tout un bon plan. Non, mais je l'ai pas descendu si bas que ça la première.
Ah, mais il y a un timer, je crois, sinon. C'est pas juste les points de vie, je crois qu'il y a aussi un timer. En fait, je préparais le moment où j'allais l'achever en un combo, ou du moins la descendre le plus bas possible. J'avais zappé qu'il y avait un timer. Du coup, j'ai attendu un peu trop comme un gland. C'est pas grave. Yo, qui corbeille, ça roule? Ça va. On meurt. On s'énerve pas trop pour l'instant. On meurt juste. J'arrive plus à faire de pari. Ah oui, pour l'instant, parce qu'après on va s'énerver. Pour l'instant, on s'énerve pas. Mais bouge, toi. Sérieux. Non mais monte. C'est pas super bien parti. Ah mais il faut se motiver. Allez au dodo. Bon, du coup, on va faire un petit détour. On va aller se faire le Capra démon. Puisque, vu qu'on va jouer aussi à la pyromancie, ah, par contre, faut que je pense. Cette échelle. Enfin, normalement, je saute. Et cette échelle, je vais pas la descendre vite. Puisque j'ai peur de passer à travers avec le framerate.
va y aller doucement. On va acheter deux os, ça revient. Non, le DLC c'est pas prévu. Je pense que je ferai juste le jeu normal en SL1, ce qui est déjà un petit challenge. Mais je pense pas être assez bon pour le DLC. Manus et Calamite, j'y arriverai pas. D'avance. Donation. Qu'est-ce donc? Je n'ai pas les noms. Je n'ai pas mon petit tableau. Mais je crois que c'est Drefan. J'ai cru voir le truc popé. Et merci beaucoup du coup Drefan. Est-ce que tu m'as laissé un message? Et bonsoir à toi Sekizama. C'est pas grand chose, mais c'est parce que tu m'as vendu du rêve avec FF9 et parce que tu m'es sympathique. Eh bien, un grand merci à toi, Drefan. Merci beaucoup. Ça financera mon ordinateur. Puisque mon. En théorie, si tout va bien, je devrais pouvoir bientôt changer de PC. Et peut-être par la suite, j'hésite encore, mais. Possible que j'achète une Wii U. Parce qu'il y a pas mal de jeux que j'aimerais vous streamer et qui m'intéressent aussi en speedrun. Notamment Wonderful 101, mais ça c'est un autre problème. Donc grâce à toi, un petit pas de plus pour ne plus streamer avec un micro-ondes, et ça c'est beau. Ah, c'est plutôt cool comme délation, ça va. Oh, internet qui meurt. On va attendre gentiment que ça revienne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Le micro-ondes, il déconne. Alors, c'était pas voulu en plus, hein. C'est la box qui fait son petit reboot mensuel. Ah, j'ai un PC très capricieux. Évidemment le Fapring qui est un indispensable. Il y a même pas de deuxième bon anneau pour le SLR.
Double host IP. Merci à Twino et à Dark East Call pour le host. Putain, c'est la hype quoi. Double host synchro. Merci à vous messieurs. Merci beaucoup. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va passer par le village pour aller chercher la grande braise. Enfin, on va chercher la grande braise et libérer le premier maître pyromancien. En tout, j'espère que vous m'entendez quand même. Ah non, moi je suis de retour depuis un moment. La technologie a des problèmes ce soir. Alors du coup on m'a peut-être pas entendu, mais merci à Twin et à Dark East Call pour le host. Désolé, mon ordinateur est capricieux ce soir. Mais merci beaucoup. Oula, il était énervé lui. Putain, c'est fort la hache, mais c'est un peu lent. C'est ça, il est pas content, il souligne sa désapprobation. Non, tu ne me remplaceras pas, human. Air Abraham, bonsoir à toi. Là, il sait qu'il commence à galérer, là, il arrive en fin de vie. C'est un peu dur. Oh, mais décède. Voilà. Alors, à ce brave homme, qu'est-ce qu'on va lui acheter? Bah au moins la clé. Peut lui acheter la trousse à outils et la boîte sans fond. Bon, c'est fait. J'ai plus trop ce qu'il vend d'autre, mais... Oh, j'ai un vieil i3 qui date d'il y a 6 ans, un truc comme ça. Yodo Dark Boys. Ah, les sauts dans Dark Souls 1. Ah, j'ai raté. J'ai raté, donc je n'aurai pas d'arbalète. Et mine de rien, une arbalète, ça
peut être utile. C'est un des rares trucs que je vais pouvoir porter en SL1, donc... C'est vrai que d'avoir mis la touche de saut sur L3, c'était une vraie bonne idée. Je n'arrive pas à sauter, je suis cassé. Non, là j'y arrive, c'est juste que mon perso a peur du vide. SL1, ça veut dire que tu restes niveau 1 pendant tout le jeu. Tu peux upgrade tes armes, tu peux upgrade ton stuff, mais tu dois ne dépenser aucune âme pour prendre des niveaux. Donc on va rire. Je sais pas jusqu'à où je vais réussir à aller, mais je pense qu'on va se marrer. C'est que j'arrive pas à faire un saut. Ah! C'est bon. Là, y'a que dalle. Et où l'arbalète? Elle est là. Ouais, du chicroute. Absolument. Le fun ne s'arrête jamais. Au grand jamais. Les traits sont ici. Non, alors on a récupéré notre arbalète. Si jamais vous avez des idées par contre d'armes, d'objets que vous jugez importants et intéressants, n'hésitez pas. Je vous cache pas que j'ai pas fait un routing intensif sur le jeu. Je sais à peu près avec quoi je vais jouer. Là je vais commencer avec la hache et je récupérerai sûrement le marteau infusé de foudre en butant le forgeron à Norlondo. Mais j'ai pas beaucoup plus d'idées. En armure, ce sera sûrement l'armure en cuir noir. Hey yo, it link. Eh, ça c'est Nax, salut. Ah, le portage smartphone de Garou. Yo, Karast. Je pense que je me suis bien marré quand je l'ai vu, mais j'ai un peu ri jaune en fait. C'est genre, ah trop bien, il y a un portage de Garou sur smartphone. Putain, les mecs, sérieux. Voilà, j'ai ri comme ça. Yo, Gauthier. Vous savez, peut-être que je prononce mal ton pseudo et que c'est Gauthier. N'hésitez pas à me reprendre si je défonce vos noms. Il faut me dire. Ouais, non, le marteau du forgeron, c'est OP, hein. C'est la vie. Ouais, il y a un portage de Garou Mark of the Wolf sur Android. C'est pas le... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ok, j'y penserai. Résine de pain de raie, ouais, su. Top fun, trop bien.
te calmes. Non mais, arrête de donner des coups de pied. Merci. Petit couloir hache là. Pas André, il faut tuer le forgeron d'Anor Londo. Donc ça veut dire aussi faire... Enfin, il faut bien réfléchir avant de le tuer parce que c'est lui qui vend les titanites scintillantes et c'est aussi lui qui permet d'infuser ses armes en foudre. Donc faut bien bien réfléchir avant de le buter, ce brave homme. Oh mais c'est quoi ce coup qui frôle le mur? Monsieur, voyons, je ne vous permets pas. Ah, ce cher Taurus Demon, comment ça va se passer? Je suis curieux. Demon Souls Asselin, j'y ai pensé. Je l'ai, donc c'est possible. Vu que j'aime bien les Renat Challenge. Mais faudrait vraiment que je termine tout ce que j'ai commencé, les Moemon, finir le truc sur Persona 3, etc. C'est vrai qu'en soi, je devrais peut-être finir ça avant de faire le marathon. Mais bon, évidemment, vu que j'aime faire 300 000 trucs en même temps, non. Mais il faudrait. Bah, celle-là, la brique magique. Non, c'est celle-là. Ah, il fait ça, d'accord. Hier, mon boss il est cassé, mais non, il est pas cassé. Ah, mais c'est quoi ces coups auto-guidés? Ouais. C'est le 60 FPS qui fait ça ou... Parce que j'ai clairement roll. J'ai l'impression que ses coups tapaient plus... Enfin, le... il avait plus de... Enfin bref, c'est bizarre. Ouais, enfin j'ai... clairement roulé sur la dernière attaque, autant il y en a, j'ai un méga méga doute. Bah normalement ouais, mais j'ai eu des bugs chelous à propos du 60 FPS et je sais pas si c'est une méga bonne idée. Du coup on va regarder. Enfin, je vais le refaire, hein. Je veux pas être de mauvaise foi non plus, peut-être que j'ai juste joué comme une merde et que c'est ma faute. Et... on va voir. La pyromancien, tu peux pas, parce que t'as pas ta flamme de pyromancie. T'es obligé d'avoir les bons moments.
Bon, du coup, deuxième round sur copain. Bon, ça s'est bien passé sur les gargouilles, donc j'ai peut-être juste joué comme un sac à merde. Yo, Marcus. De l'arme. Non, bon, j'ai juste joué comme un sac à merde. C'est tout. Elle tombe pas quand t'actives l'échelle. Non mais... Barre-toi. Oui non, Capra c'est pas là. Capra c'est plus loin, monsieur Menez. D'ailleurs on va aller le voir de toute façon, parce qu'on a besoin de la clé des... des profondeurs. Pour aller libérer notre copain... copain pyromancien. D'ailleurs, j'ai pas encore décidé avec quelle armure j'allais jouer, mais c'est vrai que l'armure en cuir noir me semble être un bon compromis résistance poids. J'ai pas trop étudié les armures de Dark Souls, hein. Ouais, il y a besoin de la clé. Ah, les rats, mes copains. Là, je sais que c'est l'échelle of doom, que si tu descends en slidant, tu traverses le sol. Ça m'était arrivé sans le Gedo Sato déjà, donc, enfin sans le fixe, donc j'imagine qu'avec c'est encore pire. Alors, la paroisse. La clé, je sais jamais laquelle c'est par contre. Je crois pas que c'est... Non, l'autre c'est la clé pour libérer de l'Autrec. C'est celle-là, je pense. C'est celle-là. Pas trop pourquoi ça s'appelle clé de la cave. Whatevs. Vu qu'on peut pas profiter des joies de la téléportation, on va au moins profiter des joies du level design. Ça ira plus vite de passer par l'escalade. Ascenseur, voilà, c'est ça le mot.
coup on remonte par l'échelle et puis on se retrouve directement en face de la porte. Et on reviendra quand même à Lichfeu pour avoir 10 fioles. On capera de toute façon, c'est le combat où faut de la moule, c'est pas plus compliqué que ça. Si t'arrives à buter les chiens, c'est gratos. Si tu te fais gangbang, bah tu meurs et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ce coup de pied en mode Putain, il m'est arrivé la même chose sur FF13 aujourd'hui. C'est la journée du high kick dans la gueule. Espèce de mob oiseau là qui sont dans le chapitre 4. Au moins il y en a qui sautent de la falaise et qui me tâchent dessus en mode j'ai pas le temps. Ça m'a bien fait marrer. On n'a pas des barres de vie IRL. C'est pas comme ça que ça marche. On va quand même se reposer là. Yo Vladedam, bonsoir. Bon, deuxième fournée. Ah, troisième fournée. C'est... Comment ça se fait qu'il a spammé comme un ouf là? Oh, le framerate qui meurt tellement. Ah oui, non, c'est vrai, vous êtes sûr? Ouais. Attends quoi? Ouais. Tout va bien. Tout va bien. J'ai pas compris les trois boules de feu d'affilée là par contre. La masse d'armes qui est nickel en SL1, je sais pas trop. Moi j'ai vu que la hache était cool et je sais qu'on récupère le marteau après. Marteau du forgeron, mais j'imagine que c'est... Elle est peut-être mieux, hein, je sais pas. Si je perds mes 16 000 âmes à cause d'un bug de merde, je vais pas être content. Spoiler. Envie de passer dans le vide non plus. Hein. Bonne nuit à Geekordite et bisous. Bon courage pour ton tryhard sur
paille au hasard de tout. Ah, la vie de chiante. Mais avant ça, shortcut. Bon, mon framerate a toujours l'air d'être aux fraises, hein. Je pense que c'est mon PC qui est en mode nope. Putain, les mecs se la jouent ninja maintenant. C'est pas cool. Hein. Alors, endroit relou. Ah, j'ai découvert un bug rigolo la dernière fois. Je vais essayer de vous le montrer. Enfin, je pense que c'est un bug. Mais saviez-vous, le saviez-tu, que dans Dark Souls, il y a des portes automatiques? Oui, on va attendre qu'il arrive. Parce que normalement, vous le savez, il y a une embuscade ici. Il y a une embuscade, mais le saviez-tu? Tu peux tuer les mecs à travers les portes. Bon, du coup, on est d'accord. J'ai tué les mecs et il n'y aura personne pour ouvrir les portes. Ce combat d'infirme. Eh bien, pourtant, les portes sont ouvertes. Donc Dark Souls est un monde qui possède des portes automatiques, sachez-le. Les portes spéciales embuscade. Oh, par contre, ça marche pas ici. Je pense c'est de la magie. À ce qu'on sent là. Bon, du coup, là, armure quand même un peu plus cool. Armure en cuir noir. Oh, je teste mon nouveau gilet. Putain, mais de chien relou! Fais pas chier, couchez mes dents. Alors avant d'aller buter Capra, on va déverrouiller le shortcut, acheter 2-3 petites choses. Parce que mine de rien, ça donne accès à un vendeur assez utile. Puisque c'est un vendeur qui va nous vendre des résines de pain brûlé. Et aussi des lichens, donc on va lui acheter du lichen en fleurie, on sait jamais, et
Des résines de pain brûlé, on va en prendre 10. On a arrêté d'être chiant comme ça. Ouais, ramène-toi. Yo Exodus, bonsoir. Allez, on va aller faire Kappa de Mont. Bon bah Kappa, il faut qu'il soit gentil. On va avoir des petites résines pour le chatouiller. On va être bien. Bon, pour l'instant la pyro va pas être oufissime puisque... Je peux pas améliorer ma main de pyro tant que j'ai pas le maître des pyros. Et en fait j'hésite, je sais pas avec quel sort je vais jouer. Je sais que la grande boule de feu du chaos est sympa, le problème c'est qu'elle demande 2 slots. Ça veut dire qu'il faudrait que je récupère l'anneau de la lune noire qui est dans les catacombes. Mais j'ai aucune putain d'idée de d'où est-ce qu'il est en fait, je me souviens plus du tout comment aller le chercher. Le début s'est plutôt bien passé, ça va. Iras-tu chercher puissance intérieure? Non, parce que je vais améliorer ma flamme de pyromancie. Et je vais perdre beaucoup trop de PV si jamais je caste avec une flamme au niveau. Après en soi, je pourrais acheter 2 flammes de pyro et ne pas upgrade celle avec laquelle je pourrais utiliser puissance intérieure. Ouais, j'ai fait un perso à couette comme souvent. En soi, c'est vrai que je pourrais aller chercher puissance intérieure, ce sera pas une mauvaise idée. Mais ça veut dire avoir deux flammes de pyro du coup. Wouah! Faut vous détendre hein. Ok, Capra. Bon. Bon, bah on va voir si ça passe. Hein. Là, c'est... Spoiler, c'est compliqué. Tu peux pas avoir 2 flammes de pyro? Tu peux pas en acheter une deuxième?
Ah, du coup, si c'est un objet qu'on peut avoir qu'un seul exemplaire. Mais si, le maître de la pyromancie, il en vend une, non? Ou alors il t'en donne une la première fois, peut-être. Ah putain, merde, ouais, j'avais oublié ce détail, en effet. Et Arcade Lovers. Oh non. L'anneau d'Avel, c'est pas prévu. Putain, les chiens du 1, c'était des vrais clébards. Parce que la grande boule de feu du chaos prend deux slots. Seize mille âmes dans le cul. Putain, t'es sérieux. Je déteste ce boss. Il est tellement nul, mais c'est juste les chiens, quoi. Le gourdin. C'est quoi, c'est un truc que vend André, j'imagine. Là, du coup, je vois pas trop pourquoi je me fais chier à... Non mais putain, les hitbox, quoi. Ah voilà, ça.
Je vais appeler ce combat hitbox et mob bourré, je crois. Oui, bah oui, bien sûr, j'étais complètement en train de roller, mais c'est pas bon. On s'énerve pas. T'es censé venir me voir là. Viens me voir. Viens me voir. Depuis quand tu descends comme ça, comme les gens normaux? D'accord. Le boss il est cassé. Putain. Putain, je suis dégoûté pour mes âmes. Zenson. Parce que j'ai toujours fait le boss comme ça, Arcade Lovers. Je fais pas de build, je fais un build SL1. Je vais rester niveau 1 jusqu'à la fin du jeu. Yo Fantasma, ça roule? Putain, j'aime pas les zombies à la torche, ils font tellement mal. Ah, j'ai pas rechargé ma fiole d'astuce comme un couillon. C'est compliqué. Oh, c'est assez populaire, c'est une Renate Challenge qui a été faite par pas mal de gens déjà. Thank you.
tant que ça serve. Du coup, il me faut la grande braise. Il est pas content, il est pas content. Quitte à crever. Putain, mais t'es sérieux quoi? Ah, mais. La putain de ta race, le chien. Tiens, Otma. Là, je suis à la hache. Je vais probablement buter le forgeron d'Anor Londo pour avoir son marteau. Parce qu'il est grave bien. Après, on m'a conseillé d'utiliser une arme tout à l'heure, mais j'ai pas relevé le nom. Bonne nuit à Gauthier. Putain, j'ai pris tellement cher avec ce con de clébard. Ah, c'est ça, on m'a parlé du cours d'inclouté, qu'il faudrait que j'essaye aussi du coup. C'est mieux que la hache, je veux bien essayer. Je vais aller voir André avant du coup. Yo, enfin Renem. Parce que l'épée, je ne peux pas la manier, et c'est pas une très bonne arme en plus. Soit je pourrais tuer le dragon, enfin je pourrais lui couper la queue, il suffit de la tirer sur le pont et de lui donner 3 coups de hache avec une résine, c'est pas le problème. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas une bonne arme, de toute façon j'ai pas les stats pour la manier. Einstein Esmo, c'est pas le boss que je crains le plus. Le boss qui me fait le plus peur, c'est les Four Kings
Étant donné que je suis pas super bon en pari, Gwyn reste d'être un gros problème aussi. Mais étrangement, Titanesmo, c'est pas le boss qui me fait le plus peur. Ça va être chaud. Mais... je sais pas, je suis un peu confiant. Du coup, c'est pas André qui vend le gourdin. On va invoquer Internet. Ah donc c'est bien celui du village des morts vivants. Bah du coup on essaiera plusieurs armes parce qu'a priori a priori, il y a pas mal d'autres alternatives. Alors, des bisous à tous les gens qui sont arrivés. J'étais en train de lire un post sur un forum. Donc, du coup, on va aller acheter un club. Faut retourner dans la ville des morts-vivants. Je vais en acheter plusieurs, en fait, je pense. Même. Je pensais que c'était André qui les vendait. Je cherchais le club en fait, savoir qui est-ce qu'il vendait, mais du coup c'est pas André, c'est le marchand du village des morts vivants. Maintenant je sais.
Waouh, cet effet de caméra saisissant. Ça me dérange pas de courir dans les niveaux. Ah yo, Nolemia. Je trouve ça même plutôt cool. Parce que le fait de déverrouiller des shortcuts a quelque chose de gratifiant. Je sais pas, c'est. Connaître la map sur laquelle t'évolues, c'est vraiment sympa comme sensation. Still keeping your mind, go ahead, never hurt. Du coup, j'imagine que c'est ça le nom, gourdin armé. Je vais en prendre trois, on sait jamais. Hey, what? Ça va, j'ai juste acheté des trucs, fais pas chier, machin. Du coup, je vais monter un feu. Je vais monter un divin pour les catacombes. Et ma hache, je la passerai en foudre quand je serai à Norlondo. Plus à récupérer. Ah, quoique si j'ai déjà le marteau en foudre, j'aurais peut-être pas besoin de l'infuser. Bon, je l'infuserai quand même en foudre. Du coup, il faudrait que j'aille chercher la braise divine. La braise divine, c'est le papillon. Je peux faire ça. Plus par contre comment on infuse des armes en feu. Enfin, j'ai complètement oublié la forge. Je crois que c'est le forgeron des catacombes. Je sais plus sous quelles conditions. Ouais, faut récupérer les braises, mais je sais plus du tout où elles sont, quoi. Du tout, du tout, du tout. Enfin, là, si, la braise divine, je sais où elle est. C'est le papillon. Mais les autres, je sais plus du tout. Je crois que je m'en suis jamais servi. C'est soit grande braise, soit foudre. J'ai jamais fait d'infusion en feu ou en chaos. Mais du coup, je vais monter un club pour voir à combien ça tape. Au moyen que ce soit sympa. Très laid, par contre.
Je sais plus du tout Fantasma. Je sais qu'il la faut sur les armes pour les armes divines. Mais pour le premier niveau des armes feu, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas en fait, je crois que je n'ai jamais su puisque je ne m'en suis jamais servi. Oh, moi je le fais sans invocation. Les boss. Pas de quantité. Merci Adrefan, des bisous. Ah ouais, ça va, j'ai le temps quoi. Oh. Oh là là, il est fatigant lui. Non, Lisaïd, c'est super tard. Ah, en fait, c'est une attaque sautée, la strong attack du club, d'accord. Tu me disais, putain, mon perso il saute tout seul, c'est relou. En fait, non. Qu'est-ce que j'utilise comme setup? J'ai juste la fibre, quoi. J'ai pas un PC hyper puissant, mais. J'envoie beaucoup de bitrate, en fait j'envoie le maximum de bitrate, ce qui fait que j'ai un 720p super propre. Là je capture directement l'image depuis mon PC via OBS, donc c'est pas oufissime. Non, on me pose très rarement des questions techniques, ça me dérange pas trop d'y répondre. C'est pour ça que j'ai pas fait de fac à ce sujet-là, peut-être que ça changera un jour, mais. Bah, j'ai la flamme de pyro pour la mocher un peu, quoi. Et au pire, j'ai les bombes incendiaires. Bah, je pourrais équiper mes bombes incendiaires aussi. Et ma résine.
Donc ça, ça devrait le faire. Je l'ai pas fait depuis un moment par contre. Non, c'est pas ce bouton là. Ah, par contre, la portée. On passera. Il a posé là. Ouais, pose-toi après. J'avais jamais vu l'attaque où il tire une espèce de bombe bleue chelou là. Hey, Rallen Blender, salut. Bon, du coup j'aurai un gourdin divin pour les catacombes. Mais il m'en faudra un de feu pour un Orlando. J'en veux lui filer la braise.
Ah mais j'ai pas de grande titanine verte. Ça c'est compliqué. J'ai oublié qu'il me fallait des grandes titanines vertes. Eh bon bouya, bonsoir. Salut à toi Remain Knight. Yo Bablou, ouais c'est niveau 1. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre aller buter Quillai. Qu'on avisera après. On avisera après. Je vais aller améliorer ma flamme de Pierrot histoire de... Histoire de pas perdre d'âme si jamais je crève. Bon ça sera fait. Oh putain, faut que j'arrête. Oubliez que la strong attack, c'est une jump attack. Je m'habitue au moveset de l'arme. Plutôt rapide ça va. Quillai du coup je sais pas ce qui va la chatouiller le plus entre la hache et la masse ou je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi le... C'est quoi déjà? Gourde d'armes, voilà. Merci Zirka Lovers, des bisous. Ah, c'est possible. On verra. Non, transpiration abondante, c'est pour ton personnage. C'est pour qu'il résiste au feu. Beaucoup d'ailleurs. Elle est assez forte dans Dark Souls. Hein. Se passe des choses.
C'est rien, c'est le 60 FPS. C'est normal. Yo, quick quick. Putain, si seulement on pouvait avoir un Dark Souls 1 mieux codé. C'est con parce que putain. Bon, pas grand chose pour être vraiment très très bien. J'avoue que ça pique un peu quoi. Les bugs et les erreurs. Les titanites vertes, je sais plus du tout où est-ce que ça se forme. Pour l'instant, je vais m'occuper de Quillag, aller chercher la grande boule de feu et après on avisera. Je veux dire un jeu qui tourne comme Dark Souls 2. Un Dark Souls 1 qui tournerait comme Dark Souls 2. Ah, sur les sensus. Swag, 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 swag.
C'est une araignée waifu, donc ça va en fait, finalement. Ça rend l'huile des bisous. Ma grande passion, le rail et les araignées. Si vous avez des araignées qui font du rail, ça m'intéresse. Ça ira à huiler, c'est gentil. En soi, je devrais faire mes titanites vertes, mais je vais finir saine avant. Mais en fait, après avoir fini saine, je vais. Là, en fait, j'aurais peut-être pas dû allumer le feu là, mais c'est pas très grave. On va remonter à la mano. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais finir saine avant. Et puis je verrai demain pour tout ce qui est farming, etc. Réfléchir à quoi faire avant d'aller à Anor Londo, puisqu'une fois qu'on part pour Anor Londo, on est bloqué. On peut pas avancer, on peut pas. Il y a plein de trucs qu'on peut plus faire. Putain, c'est la dèche du FPS là. Oh là là.
Est-ce qu'elle est là, Micheline, au fait? Non, elle est pas là. T'es pas bloqué? Ouais, j'aurais cru, tiens. C'est parce que j'ai jamais essayé en fait. Mais du coup, je voulais quand même le faire avant d'aller à Normando, donc c'est pas très très grave. Ça change rien à mes plans. La zone optimisée avec le fiancé Blighton. Ah mais je suis loin de tout savoir sur Dark Souls. Hein. Même si j'y ai beaucoup joué. Je ne doute pas que... Je peux apprendre encore plein de choses. Et c'est ça qui est cool justement. C'est aussi pour ça que je fais du SL1. Parce que les runs à challenge obligent à penser le jeu différemment. Les mecs qui font du toxique là. Ah, barrez-vous. Jean-Michel toxique. Au platine. Bon, le club c'est plutôt cool comme arme, ça va. Yo Dark Acid, ça veut dire finir le jeu au niveau 1, sans monter tick fin, sans prendre de niveau. SL c'est pour sous level, et le sous level ça indique le niveau en fait, grosso modo. Bon maintenant, on essaie de pas mourir en se barrant. En fait, tu gagnes des points d'XP, mais tu... Enfin, en fait, les âmes, c'est la monnaie du jeu. Tu peux t'en servir pour prendre des niveaux, mais aussi pour acheter des objets. Et vu que c'est toi qui répartis tes points, si tu décides de jamais les répartir, tu restes niveau 1. Oh les pubs quoi. Qu'est-ce que c'est que ces pubs textuelles?
Hey, Brainstorm, ouais, je l'ai fini hier. Alors du coup... Oh, hello. You've been a stranger. Why? Tell me about it. Non. I see. In any case, apologies, my friend. Forget that I... Si on dit oui, il devient fou et il s'en va. Je peux plus monter ma flamme de pyromancie, je suis triste. Ouais, le gamelon, ça roule. Goodbye then. Bon, du coup, je pense qu'on va finir avec Sense Fortress pour aujourd'hui. On va buter copain géant et je m'arrêterai. J'avais dit que je ferais pas un stream super long parce que les 4 heures sur Gaming Live m'ont un peu crevé aujourd'hui. Yo Alexis. D'ailleurs, je me demande si avec mon arme je vais pouvoir le faire tomber. Si jamais c'est possible. Ça risque d'être rigolo en tout cas. Mais bien sûr, les quads, c'est la vie. Bon, je peux pas équiper ma grande boule de feu du chaos parce que j'ai pas assez de mémoire. Ouais, du coup, faudra que je me renseigne pour comment choper cet anneau de slot assez rapidement. À part le Fapring, il y a vraiment pas d'anneau très utile. Oh là là, petit code, madame. Deux boules de feu, je suis un peu gâté. Enfin, deux boules de foudre, je suis un peu gâté aujourd'hui. C'est un peu Noël. J'étais pas tout nu. Oh, putain. Les grandes inventions de l'internet. Alors non Marcus, mais maintenant nous connaissons ton site préféré. Je pense aussi qu'il y a plein d'anneaux utiles, Fantasma, mais pour un SL1... Oh, putain de merde. Faut que j'arrête de lire le chat en même temps. Ah. Alors du coup c'est quoi? Un bracelet qui génère de l'électricité, quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ouais. Pourquoi les gens font ça?
Putain, mais ça veut rien dire ces inventions. Ah, normalement, il est plus censé passer par là. What the fucking fuckety fuck. Furtek a eu un contrat avec Pornhub, peut-être. Je sais pas trop ce qu'il a bidouillé sur les amiibo récemment, mais ça avait l'air rigolo. Du coup oui, ça fait le buzz, donc ça leur fait de la pub, etc. Ouais, ça se tient. Non, c'est pas prévu que je fasse le DLC. Déjà, faire simplement le jeu va être une petite épreuve. Pas du tout dedans, monsieur. Ah si, j'étais dedans, mais pourquoi il a fait la chope alors que j'étais aussi loin? Mais merde. Pas du tout l'attaque que je voulais être maintenant. Ouais. Ah, je peux pas le faire tomber. Je peux pas le faire tomber. Merci. Ouch. C'est possible. Ah.
du coup, je peux pas prendre ce shortcut parce que je n'ai point la clé. Merci, ma chère fantasma. Je n'ai pas la clé à la Kmo. Je crois que la clé, elle est là-bas. Ah, super. Bravo, Michel. Ouais, c'était par là. C'est juste que mes skills en saut sont plus que discutables. J'ai pas d'autres anneaux à mettre pour l'instant donc. Si je meurs à cause de ça, je vais pas rigoler. Le LOL ne sera pas présent si je meurs. Alors pas pour moi en tout cas, ou ça vous fera marrer. Putain, mais c'est pas vrai. Je déteste ce saut, j'arrive jamais à le faire. Je comprends pas, des fois les persos font des roulades. C'est tellement relou de sauter dans ce jeu. Ouais. À chaque fois c'est l'épreuve. Putain, sérieux. Je vais tout casser, je suis pas content. Attention, mes amis. Cherchera après, j'imagine. Tu vas en quoi, toi? Trou là, ça passe. Ouais, il vend des grandes titanides vertes. Ça peut être bien de lui en acheter. Le challenge c'est niveau 1.
Bon, maintenant faut que je récupère mes hommes. Oui, je l'ai fini hier. Ça sent tellement la morconne. Moi j'avais bien aimé Sense Fortress. J'avais vraiment trouvé la zone cool. Je trouve l'univers de Dark Souls 1 vraiment cohérent globalement. Par quelques à la limite, il y a certaines autres, je regrette qu'elles aient pas été plus développées. Genre le lac cendré c'est trop classe mais ça sort de nulle part. Je crois que les femelles des serpents fantasma, c'est pas les poulpes bleus qu'on voit dans les archives et pas les mages électriques. Mais il semblait que les gens disaient que c'était les poulpes bleus qui étaient les femelles de leur espèce. Mais je dis peut-être une connerie. Goodbye. Come back if you. Recording to logbook. Après, c'est possible, hein.
goodbye then. Flamme de pyromancie. Ah, mes burnes, bonsoir. Bonsoir, mes burnes. Merveilleux pseudo. Oh, comment ça tape ça maintenant? Pas mal. Yo, Aelrin. Toi aussi étudie le lore de Dark Souls. This is no laughing. Ah, salut truc moche. Que vous avez de grandes dents. Yo, sorry fool. Pas trop pourquoi je me fais chier à tuer ces meufs en fait, alors que ça sert à rien. C'est pas là qu'il y a la Zyander. Ah si. Ah, le Bino Boost. Le grand retour du Bino Boost. Avoir oublié d'autres trucs.
Ah oui, je t'aime pas au fait. T'es un méchant. Mais non, mais Nito, ça va être l'enfer aussi. Putain, c'est 19 000. Je suis pauvre pour l'instant. Bon, du coup, réfléchissons. Réfléchissons. Là, ça va être séance de farming infinie. Si le club divin, c'est prévu. C'est prévu. Faudrait juste que... j'aille fermer des titanites vertes. Mais là, voilà, je vous cache pas que je suis un peu crevé, qu'il est bientôt minuit. Bon, je pense que je vais juste arrêter le stream maintenant. Puisque voilà, c'est déjà pas mal, on fera du farming la prochaine fois, histoire de monter les clubs, en avoir un divin, un de feu, au moins deux déjà, un de feu, un divin, et puis voilà, et puis on se... excusez-moi. Du coup, on continuera à Orlando, mais à 5, je suis un peu crevé. J'ai pas envie forcément de me taper des incroyables séquences de farming. Donc c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Des bisous à vous qui êtes venus voir le début de ce SL1 sur Dark Souls. Continuera dans la semaine, bien évidemment. Voilà, prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas... marathon, alphabet, mi-mars à peu près. Mi-mars ou fin mars à peu près. Voilà, disons par là. Zoubi, bonne nuit et bien à très bientôt. Bye bye.